Bonjour les amis, on est au Domaine Forget, c'est vraiment beau. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu de technique que moi j'ai appris dans la toccate de Bach en Do mineur. C'est celui. Donc, c'est dans la deuxième partie, c'est l'endroit que je vais utiliser comme exemple. C'est dans la deuxième partie de la toccate où on a... Souvent, on a des triples croches. Ils sont difficiles à contrôler pour être très précis. Donc, l'endroit que je vais utiliser, c'est vers la fin. On a ça. Et la difficulté que moi, j'avais avec ça personnellement, c'était de bien articuler les triples croches. Donc, quel genre de pratique on fait pour faire ça? Donc, c'est ce que j'ai appris de mon prof à l'Université de Montréal, Marc Durand. C'était de prendre... On va prendre les notes. Je vais rapprocher ça. On va prendre les notes de triple croche et serrer les doigts vers nous, comme ça. Vraiment sentir le doigt, pas juste la partie du doigt qui plie, mais à l'intérieur de la main. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, je prends le si bémol et je le tire vers moi. Donc, on appelle ça le grip. C'est ce qui prend les notes vers nous. Donc, je tire le si bémol, je la joue et je la tire. Ensuite, do, je le joue et je la tire aussi vers moi. Donc, une fois que le doigt joue la note, on a juste à tirer et vraiment sentir à l'intérieur de la main. Ensuite, même chose pour le cinquième doigt. Et c'est vraiment ça l'exercice. Donc, je tire, je tire, je tire pour vraiment sentir ça. Bon, on tire chaque note. Et ensuite, c'est complètement différent. C'est pas mal mieux, ça peut être encore meilleur. Donc, on peut le faire avec chaque note. Tire, tire, tire. Vraiment chaque note. Et ensuite, quand on va jouer, c'est sûr qu'il y a un petit roux là-dedans. Donc là, c'est une combination de jouer en avant avec le bras qui amène les notes en avant, même du grip aussi qui joue vers nous. Donc ça s'ajoute en tactilité et contrôle des notes. On entend vraiment énorme. Ici, il n'y a aucun contrôle. Et maintenant, je mets le contrôle avec l'exercice qu'on vient de faire. C'est vraiment ta 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 ta. Donc, c'est l'effet de contrôler bien les notes avec la tactilité. Quand vous venez à mon masterclass, on va parler de cette technique ici où on joue pas seulement en avant, mais on tire les notes vers nous en même temps. C'est ces deux techniques employées en même temps.